sais pas si ça fait du bien, mais j'imagine que un petit massage de dos, ça doit être pas pire. Instant. Je vais aller chercher mon appareil photo, ok? Ça sera pas long. Notre numéro 5 qui arrive. Voilà. Il est vivant, il respire, ça va bien, ça va très très bien. À vue de nez comme ça, il a l'air blanc, il a l'air d'un petit bébé blanc. Garde des petites photos pour la postérité. C'est sûr que ça peut paraître étrange, mais j'ai pas de problème avec avec la vraie vie. Avoir des chatons, ben c'est, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Alors, j'ai le goût de vous dire qu'on a un bébé blanc. Garçon, fille, ça, je le sais pas pour tout de suite. On va le savoir dans quelques minutes.
Alors, Jesse, le placenta, à quoi sert-il? Le placenta, dans le fond, c'est ce qui sert de prendre des termes simples. C'est vraiment ce qui raccorde la maman avec le bébé. Le cordon ombilical qui est rattaché au placenta, à travers le placenta, l'air, la nourriture, le sang, les anticorps, tout circule à travers le placenta. Alors, c'est vraiment la jonction entre le bébé et la maman. Le cordon ombilical que maman est en train de couper intensément présentement, ben c'est un conduit, mais le placenta, c'est vraiment la machine de transmission entre les deux corps. Ah oui, il est blanc. Mais il faut faire attention. Des bébés blancs, on peut se faire jouer des tours. Il peut virer brun. Il peut virer... mon Dieu, des fois, on en a eu avec des patchs bicolores. Il peut être mauve. C'est pas évident, les bébés de cette couleur-là. Côté musical, je pense qu'on peut faire mieux. On va la zipper un peu. Tiens. Hey. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui aimaient beaucoup Patrick Normand, mais je suis sur un autre beat présentement. Alors, Patrick, j'espère que tu m'en veux pas trop. Je t'avance. Voilà. In the night of love, words tangled in her hair, words soon to disappear. A love so sharp it cut like a switchblade to my heart. Wow. Words tearing me apart. She tears again. Ok. Je me change de gant et puis on regarde le poids et le sexe de notre dernier chaton. Alors, nous avons un garçon blanc qui pèse 95 grams. Tout le monde a l'air super en forme. Je vous le montre un petit peu plus à la caméra. Et voilà, notre bébé numéro 5, un mâle blanc.